بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À partir de là, nous rentrons un petit peu plus de aspect d'awa, l'invitation vers l'islam, de part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il nous trouve une étape qui vient de passer. En premier, nous commençons quand il y a la révélation que le Tout-Puissant dit à lui, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ et rappelle toute bonne famille proche. Depuis ça, l'au-delà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il retient à lui, il montre le colline Safa. Il appelle ban chef de ban tribu de Quraysh. Il appelle eux. Et ben là qu'on est, quoi nous dire, un enfant qui grandit devant eux, aujourd'hui il est à l'âge de 40 ans. Jésus, si mon Jésus, derrière sa montagne là, il a l'ennemi qui vient attaquer nous. À cette époque-là, pour gagner une nouvelle, l'ennemi peut venir. Mais il y a un messager qui est venu avant. Et à ce qu'on dit, où il y a une montagne, il veut dire où le visuel est bloqué là. Maintenant, il dit, oh Muhammad, nous ne connaissons pas qui est à cause de nous mentir. Il y a sa confiance qui est dans l'autre de cette parole-là. Il n'a pas dit, sorry, il n'a pas dit, ben nous vous vérifier ou bien ben stopper non ben à cause de sa personnalité nous par contre qui donne déjà cause nous mentir en d'autres mots ça qui te bouge à nous l'avons pour accepter de là les Jésus moi un annonciateur de bonnes nouvelles un avertisseur d'une punition douloureuse, retourne vers un seul ilah. Dis comment c'est? Explique-je. Ce tcha-tcha, Abu Lahab. Ce tcha-tcha, Abu Lahab. Veut dire que si nous disons Abu Lahab, nous finissons, nous arrivons le 10 ce tcha-tcha. Un Abu Talib, un Abu Lahab. Ça ne doit pas accepter ce message. Reste l'autre deux, Al-Abbas, Ibn Abbas, son papa, et Hamza, radiallahu anhu. Donc, dans ce cas, Tchatcha, dès qu'il a accepté ce message, aidez pas fin accepté. Abu Lahab prend la terre en bas, ou bien du sable, ils étaient au lit. Il est là que ça te appelle, non? C'est ça qui est là, dans le surah. Masad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, tabat yada. Tabat, qui dit le mot de la pouchir? L'idée de la médiabou Abu Lahab. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi? C'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui banne la confiance, l'oli. Mais quand il s'agit de le rappel pour ado un seul bon Dieu, il gagne une adversité depuis sa propre famille en premier. Depuis sa propre famille. Moi, quand je prends la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa façon-là qui me prépare moi. Je n'ai pas fini prépare moi, namaz, rosa. Oui, ça n'est pas fini ça. Mais seulement prépare moi. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit commencer, il finit faire face avec mon opposant. Comment se prépare-toi pour ça, l'os? Là, dans le Ramadan, tu peux ressentir. Tu peux faire des efforts pour te ressentir. Tu ne commences à couvrir. Attendre de ta famille pour commencer à moquer-toi. Pour commencer à critiquer-toi. Pour commencer à pas se commenter à toi. Attendre. Parce que sinon, ce chemin qui prend une vie là, tu connais ton chemin là.
Faudrait te préparer-toi psychologiquement, te préparer-toi avec tes connaissances et te préparer-toi bien avec tes croyances. Si vous pouvez suivre le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première question qui va arriver. C'est pour ça que vous trouvez dans le début de l'invitation vers l'islam, trois premières années, il vient en cachette. Ben qui ont envie qu'on islam, je suis aussi dans le noir de la soir. Pour ne pas collège, pas trop jeune. Ça, c'est le début. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait face avec ça pour qu'aujourd'hui, quand nous étions, nous gagnions ça, sa religion-là, nous gagnions sa dîne-là, nous gagnions sa mode de vie qui appelle à l'islam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.